Wesh wesh, les petits loups et louloutes. It's consumption. The new national pastime. Fuck baseball. Nous sommes. Enfin, je suis toujours tout seul au 36. Rue de l'Hôtel de Ville à Rino Philippe Stocker. Je suis en train d'envoyer de la vidéo sur YouTube. En passant par le réseau GSM, c'est un peu technique, réseau GSM du téléphone mobile, j'arrive à uploader 6 fois plus vite que par la paire torsadée de l'opérateur historique France Télécom, qu'on a engraissé depuis des années et qui malheureusement un petit peu laissé tomber ses employés, dont certains ont fini dans des situations un peu dramatiques, tout comme moi j'ai failli finir dans une situation un peu dramatique, mais on va pas revenir là-dessus. C'est passé. C'est du passé. Un coucou. Un coucou. Il n'aurait pas fumé. J'étais chez ma cardio l'autre jour, docteur Caroline Bertio, que je salue. Et je suis en excellente santé. Un coucou. Ils sont là derrière. Bah, un coucou. Les experts piétons. J'ai plus fort. Je dois être atteint d'une espèce de maniaco-dérision. Albert Bauer, psychanalyste, l'homme qui m'a sauvé parce qu'il ne m'a jamais prescrit des saloperies de médicaments, m'avait dit « Vous êtes un maître de la dérision. » Quoique c'est le jour du canard, c'était hier. On est un peu en retard. Il est 1h30 du matin, le jeudi 6 mai 2021. J'ai donc retrouvé du travail. Chez ECF Lerena Eckbolsheim, un grand groupe auto-école, il y a 32 agences en réseau. Je voulais remercier son boss, monsieur Philippe Lerena, que j'ai rencontré un jour déjà à Oswald, il y a une quarantaine d'années. Je me souviens, je lui avais dit que j'avais un bon contact relationnel avec la jeunesse. Il m'avait dit et on discute et on est sympa. Donc ça voulait dire ce qu'il voulait, c'est non pas du blabla, mais du résultat, c'est-à-dire chose que je fais, puisque Roland Brenley, l'ancien maire de Benfeld, m'a signé une attestation de bonne moralité. Je refuse systématiquement de donner des leçons de conduite à des personnes dont je sais, parce que j'ai quand même une forte expérience de 450 000 km d'auto-école. Ça fait 11 fois le tour de la Terre, de personnes dont on ne peut pas dire qu'elles n'auront jamais le permis, mais ça va être très dur et il leur faudra énormément d'heures. Généralement, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, c'est en amont aussi qu'il faudra faire le travail. C'est-à-dire que je pars du principe que ces personnes-là, il faut les informer. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de clientèle en automatique qui s'imaginent qu'en faisant 13 heures, elles auront le permis, alors que manque de bol au niveau de l'esprit, c'est des personnes qui, c'est pas du tout de la critique, c'est ce que je veux dire, c'est objectif, c'est qu'elles ont un esprit qui est conditionné, et c'est d'ailleurs même très bien comme ça, de pas fonctionner doucement, fonctionner lentement, naturellement je dirais, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre vite, quand on fait de la conduite automobile, on rentre dans les dixièmes de seconde, hein, en Formule 1 ils sont dans les centièmes de seconde. Le temps de réaction moyen d'ailleurs est de en dessous duquel on ne peut pas descendre, c'est de 7 centièmes de seconde.
Voilà, on ne peut pas descendre en dessous, c'est-à-dire entre le moment où vous voyez quelque chose, le moment où l'œil envoie l'information au cerveau qui lui-même donne l'ordre au niveau des mains, des pieds, etc., de réagir, on ne peut pas descendre en dessous. C'est déjà 7 centièmes de seconde, donc pratiquement un dixième. Ça correspond, si vous voulez, à 50 km/h, à 1,50 m, c'est déjà énorme. Voilà. On a dit en Formule 1, 1,50 m, quand ils sont roue dans roue, ils sont obligés d'avoir d'être des ultra speed, parce que sinon c'est comme. Sinon, on finit dans le. dans le bac à sable, comme. Jean, allez-y, les guignols qui se moquaient. Il y a à fond, dans le bac à sable. Ah, il y a aussi l'excellent. Dudule le hérisson. Dudule le hérisson dans les guignols de l'info. Quand il y a Richard Virin, que c'est un. Il le déguise en hérisson, enfin, quand il a cueilli des serins comme ça, quand il explique ah, on m'aurait dopé. À l'issue de mon plein gré, moi je suis un peu Richard Virin, que les. Là, je vais me faire interner. Ils m'ont un peu dopé à l'issue de mon plein gré parce que j'ai failli crever. Excusez-moi. Mourir, on va dire. De mort lente. J'ai failli mourir. Je serais mort sur le coup, comme ils disent dans Les Inconnus. Après une longue agonie, parce que je pensais. Mais enfin, bon, bref, je ne vais pas aller plus loin. Parce que le but, c'est quand même de rigoler. Comme dit Diodo, faut rigoler, c'est tout ce qui nous reste. Voilà, voilà. L'heure, vous l'avez derrière. Donc, il est. Le temps s'est arrêté. À 1h30. Fantastique montre que j'ai récupérée, l'audio. Quelqu'un qui me l'a donné à la déchetterie de Bovetail. It's consumption, the new national pastime, fuck baseball. They called it the American dream. It's because you have to be asleep to be late. The land of free, the home of brave. God is watching you. The policemen are on your side. It's corruption, war, disease, filth, hungry, poverty, slavery. Something is wrong here. And the ice capades, George Carlin, was right. If you have selfish, arrogant, and ignorant citizens, you're gonna have selfish, arrogant, and ignorant politics. It's as simple as that. End of. Ah, je vais me faire interner. Il est fou, Olivier Philippe Stocker. Enfermez-le.